Ah bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube, chers amis, hein, ce jeudi 1er février 2024. 10h32, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faites-le maintenant. Merci à ceux qui vérifient s'ils sont restés abonnés parce qu'il y a comme un mouvement de désabonnement. Mes, mes abonnés, j'en ai parlé depuis quelques jours, mais ils me le confirment. C'est vraiment très, très étrange. Pendant ce temps-là, on va aller voir puis analyser une autre chose très étrange qui s'est passée vendredi dernier dans un procès au civil d'une dénommée A. Jean Carroll qui accusait Donald Trump de l'avoir agressé et violé dans une cabine d'un grand magasin, mais elle ne se rappelle pas quand. Et tout ça s'est déroulé devant un juge nommé par Bill Clinton à l'époque, un juge démocrate et une procureure de la couronne, aussi anti-Trump, démocrate qui a travaillé dans la même firme que le juge en question qui présidait le procès, ou civil, je le rappelle, et ça, déjà, juste cette, cette non-divulgation de cette information cruciale, parce que tu es obligé de divulguer ça, ça ne peut pas se produire, ça, que le juge ait travaillé avec le procureur de la couronne il y a quelques années dans la même firme d'avocats, ça ne peut pas arriver. Puis si ça arrive, il faut vraiment que tu le divulgues puis tu le dises à tous ceux qui sont là, dans, impliqués dans ce procès-là. Puis ça ne s'est pas fait. Donc, juste à cause de ça, puis de plein d'autres euh, événements, ça va en cours d'appel être débouté. Cette femme-là ne recevra pas un sou, c'est bien clair. Là. Mais regarde, ce que je veux qu'on comprenne là-dedans, c'est qu'il y a un mouvement, il y a une guerre contre un certain type d'individus et de politiciens ou de gens qui se présentent en politique, qui ont une idéologie qui ne plaît pas du tout à ce qui est établi, à ce qu'on peut appeler l'état profond. Appelle-le comme tu voudras. Le gouvernement mondial, les globalistes, les mondialistes, peu important. Mais qu'on s'achante sur quelqu'un comme ça, que tu le sois pro-Trump ou pro pas pro-Trump, ce n'est pas important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la justice doit rester la justice, sinon, qu'est-ce qui peut nous arriver à nous? N'importe quoi, là. Il y a des lois qui sont en train d'être passées partout parce que le Forum économique mondial a dit qu'il faut resserrer la vis, il faut qu'on contrôle l'information, puis tout ce qui nous dénigre, puis tout ce qui est à l'encontre de notre idéologie, il faut que ça soit banni. Puis après ça, on attaque les gens qui exposent toutes sortes de complexes militaro-industriels, pharmaceutiques, comme Russell Brand on les accuse, avec des accusations qui ne sont même pas fondées, de toutes sortes d'allégations sexuelles pour les démonétiser. Puis tu, il y a un mouvement qui, qui, est en, qui est en marche. De grandes, grandes destruction et censure de ceux qui sont là pour te donner un éveil sur ce qui se passe réellement. C'est ça dont il faut être conscient. Que tu sois de la gauche ou de la droite, ce n'est pas important. C'est qu'on peut tout être victime, on va tout être victime de ça, éventuellement. Donc cette dame-là, d'abord, moi, je ne comprends pas que si tu es victime d'un viol, moi, je m'en vais avec une accusation criminelle. là. Je comprends qu'il y a des dates, tu sais, où tu peux, après un certain temps, tu peux plus, mais j'essaye. Donc, il y a des faits qui sont très étranges, donc très 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 bizarre, comme le fait qu'elle ne se rappelle pas de quand c'est arrivé. Moi, j'ai beaucoup d'abonnés parce que j'en ai parlé sur d'autres plateformes qui m'ont dit, regarde, si tu es victime d'un viol, là, tu te rappelles de tous les détails, de l'heure, de la saison, du moment, de tout ce que tu peux imaginer, de ce que tu portais, de ce que l'autre portait, tu te rappelles de tous les détails. C'est un, un événement très marquant. Là. On va aller voir ça ensemble, ok? Donc, Carol, Madame Carol, a initialement publié son histoire en 2019. Okay? Elle est sortie euh, cette histoire-là en 2019. Détaillant l'incident présumé affirmant que Trump l'avait agressé sexuellement dans une loge du fameux grand magasin Bergdorf Goodman au milieu des années 90. Carol a déclaré que Trump l'avait suivi jusque dans une cabine d'essayage du magasin, l'avait poussé contre un mur, a baissé ses collants et en forçant ses doigts autour de sa zone privée, a enfoncé. Son appareil, à moitié ou complètement, m'a dit, j'en suis pas vraiment certaine, à l'intérieur de moi. Trump, naturellement, a nié tout ça au fil des années. Et euh, malgré euh, les, les aspects très étranges de cette histoire et un manque flagrant de preuves, elle a reçu des dizaines de millions de dollars qui, selon les partisans de Trump, montrent à quel point le système judiciaire est devenu effrayant si on est une personne ciblée. Donc voici quelques faits sur cette histoire que les médias établis ne veulent pas que le public connaisse. D'abord, Birddoff Goodman ne dispose d'aucune vidéo de surveillance de l'incident présumé. Il n'y a aucun témoin de l'agression sexuelle présumée. Carol a d'abord fait part commodément de ses allégations lors de la promotion de son livre, What Do We Need Men For?.. Pourquoi on a besoin d'hommes? En 2019, qui présentait une liste des hommes les plus infâmes de sa vie, apparemment. Donc, elle, elle a un livre à sortir. Il n'y a personne qui la connaît vraiment, cette dame-là. Puis, pour faire la promotion de son livre, elle est sortie avec cette histoire-là. Carol n'était pas en mesure de se rappeler quand cette prétendue attaque avait eu lieu. Elle a déclaré à son avocat en 2023 cette question-là, le quand, le quand, la date, est quelque chose que j'ai constamment essayé de comprendre et de cerner. Quoi Elle a sauté des années. En commençant par 94, puis 95 et même en flottant jusqu'en 96, elle ne se souvient pas non plus de la saison au cours de laquelle l'attaque présumée a eu lieu. C'est l'hiver, l'automne, le printemps. La robe, la fameuse robe, la robe dont elle parle, qu'elle dit qu'elle essayait, la fameuse blazer Donna Karen, qu'elle prétend avoir portée lors de l'incident présumé, n'était même pas sur le marché au moment de ses allégations. L'avocat de Trump a déclaré au journaliste, elle a dit que la robe qu'elle qu portait en 1994, eux autres sont allés vérifier, la robe n'était même pas encore confectionnée en 1994. Et c'est pour ça que la date a été décalée. Après ça, ils ont changé. Nous sommes dans les années 80. Est-ce que les années 90, est-ce que les années 90, les années 2000? Naturellement, Trump a toujours dit qu'il avait été faussement accusé, qu'il avait le droit de se défendre. Elle n'a jamais formulé ses allégations au fil des années, bien qu'elle soit constamment ouverte sur sa sexualité, cette dame-là, publiant des choses de nature très sexuelles sur les réseaux sociaux. Il y a même Donald Trump qui en a partagé beaucoup d'entre elles. Elles incluent ses euh, remarques, des remarques telles que Comment savez-vous que votre avance sexuelle est non désirée ou indésirable jusqu'à ce que vous le fassiez Et Conseils sexuels que j'ai appris de mon chien. Quoi Des conseils sexuels de son chien en période de chaleur Poursuivez le mal jusqu'à ce qu'il s'effondre d'épuisement, puis sautez-le. Elle a déclaré qu'elle n'avait jamais été violée, déclarant au podcast du New York Times The Daily :« Chaque femme peut choisir son mot. Chaque femme peut choisir comment elle le décrit. C'est ma façon de le dire. C'est ma parole. Mon mot est combat. Mon mot est n'est pas le mot victime. Je n'ai pas, je n'ai pas été violée. » a-t-elle poursuivi. « J'ai quelque chose de ma. Euh, C'est quelque chose qui ne m'a pas été fait. Elle a nommé son chat Vagina, vagin. Moi, je ne sais pas, là, mais j'ai eu beaucoup d'animaux dans ma vie. Je ne les ai jamais appelés pénis ou non. Son chien, son chat s'appelait vagin. Le juge ne nous permettait même pas d'inclure ça dans, dans notre présentation de l'accusé. On lui a refusé ça. C'est quand même assez n'importe quoi. Joe Takopina, un avocat de Trump a souligné en mai 2023 que toute l'histoire de Carol présente d'incroyables similitudes avec un épisode de 2002 ou 2012 de la fameuse série Law and Order: Special Victims Unit. Dans cet épisode intitulé Theater and Tricks", un individu parle d'un fantasme de viol à Bedford Goodman, le même grand magasin où Carol prétend que l'incident a eu lieu. Un jeu de rôle a eu lieu dans le vestiaire de Bedford pendant qu'elle essayait de la lingerie je faisais éruption, a déclaré le personnage de l'épisode. Selon Carol, les deux étaient dans la section lingerie et Trump l'aurait agressé dans, sa, dans, la, la, dans le vestiaire de, de la lingerie. Carol a affirmé être au courant de l'épisode mais a nié l'avoir regardé. Selon le New York Post, Carol a déclaré que les similitudes entre ce qu'elle prétend lui être arrivé et l'intrigue de la série étaient étonnantes. Oui, une étonnante coïncidence, a demandé l'avocat de Trump. Oui, c'est étonnant, a répondu Carol, mais finalement. Ces allégations étaient basées sur une émission de télévision, peut-être, on ne sait pas. Donc, je dis, il y a plein d'autres choses qui sont très étranges. Et même, il y a une dame, parce qu'elle faisait un petit peu de correspondance sur, dans les journaux sur la sexualité, Mme E. Jean Carroll. Il y avait une actrice qui avait dit j'arrive pas vraiment à atteindre l'orgasme. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que vous me suggérez? Puis elle avait suggéré que. Peut-être. Un endroit où les femmes peuvent atteindre leur orgasme, c'est le quatrième étage de Bedford. Wow! Waouh C'est en 93, novembre 93, qu'une lectrice lui demandait euh, comment atteindre l'orgasme. Waouh Je ne sais pas, mais c'est très, 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 très étrange. Et ce qui est le plus étrange, chers amis, c'est que dès qu'elle a eu son verdict, verdict en sa faveur, elle s'est présentée sur l'émission de Rachel Maddow et Rachel Maddow a fait une déclaration très bizarre. Elle lui a demandé qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là qu'elle n'a pas, qu'elle n'aura jamais cet argent-là. Là, Là c'est pas parce qu'elle a été condamnée par cette mascarade, Elle a un, un sou dans ses poches, elle n'a pas d'argent, elle ne l'aura jamais, parce que ça va être débouté. A... Ça va prendre une seconde. C'est toute une fabrication politique, ça là. Puis pourquoi on fait ça, par exemple, chez les ennemis de Trump, par exemple, comme ça pourrait être quelqu'un d'autre, c'est qu'on veut juste avoir un grand titre. Parce que là, le grand titre, c'est que oui, Trump est condamné à payer 83 millions et patata. patata, patata. Puis les médias s'en vont avec ça, le complexe médiatique. Puis il met ça dans la tête des gens. Donc les gens voient le grand titre. champ a été condamné, ça y il est coupable, il a violé cette femme-là, puis il paye 83 millions. Mais non, ça ne va pas s'arrêter là, ça. Elle, elle n'aura jamais un sou de ça. Donc Rachel Mandel lui demande Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là Elle dit J'ai entendu dire que vous étiez pour aider des organismes de défense des droits de femmes. Ah oui On va aller voir sa réaction, puis vous me direz si c'est quelqu'un de vraiment équilibré, ça. Do you know what that might be? What about using some of. Oui. Elle dit Je, je sais que j'ai entendu dire que vous prendriez un, cet argent-là, mais elle n'a pas cet argent-là, elle ne l'aura jamais. C'est ça qui est complètement cinglé que vous allez aider les femmes et des organismes de défense des droits des femmes. Might... Qu'est-ce que ça pourrait être? Pouvez-vous nous en parler Oui, Rachel. Elle dit Yes, Rachel, yes. Là, elle lui pose une question très sérieuse. Mais regarde comment ça tourne. I tellement puis elle, elle rit déjà, Rachel Mandel. Such great ideas for all the good mm -hmm. I'm going do with this money. First thing, Rachel, you and I are gonna go shopping. Ça, c'est deux anti-Trump. Là, elle dit la première chose qu'on va faire, toi puis moi, on s'en va magasiner. Hey, toi, tu vas me dire que ça, c'est vraiment sérieux, que c'est pas une insulte à l'intelligence humaine, cela? Elle vient de poser une question supposément très pompeuse et sérieuse. Qu'allez-vous faire avec cet argent-là? J'ai entendu dire que vous défendez pour la défense des droits des femmes. Puis déjà, Rachel Maddow a commencé à rire avant même qu'elle réponde parce qu'elle savait que, que... c'est une insulte à l'intelligence humaine. Puis c'est une insulte aux femmes qui ont vécu des événements horribles comme des viols de se foutre de la gueule du monde comme ça. <laughs> On va s'acheter une nouvelle garde-robe. Regarde comment elle rit c'est complètement c'est complètement révoltant moi je regarde que tu sois pour Trump ou pas il faut que tu sois capable d'analyser les choses de façon détachée là puis tu vois tout de suite que c'est un scheme tu vois tout de suite que c'est un c'est une arnaque tout ça <laughs> des nouvelles chaussures une nouvelle pêche. qu'est-ce que le pêche vient faire là dedans un penthouse Rachel un penthouse Regarde, toutes ces femmes-là, supposément des grandes protectrices du, de, du droit des femmes, qui ridiculisent un événement supposément traumatisant comme le viol. Rachel. The Rachel, freaking... Le Penthouse, c'est à toi, tout est à toi. Moi, je sais pas, chers amis, je veux pas... Moi, je, je j j veux juste qu'on revienne qu à la normale. C'est pas normal, ça. Tout ça, c'est pas normal. Je vous laisse ça dans la boîte de description parce que là j'ai la tête qui spin. Mais juste pour vous dire que. Est-ce qu'on peut revenir à la normalité? C'est ce quoi ça?